Urban Rap. Urban Rap, la spéciale. Tous les vendredis soirs, Rizouane, Juliette et Priscilla reçoivent les plus gros rappeurs du moment pour 2 heures d'interview sur leur actu, sans langue de bois. Et de gros freestyle en exclu. Urban Rap, la spéciale, c'est l'émission rap français de référence. Toute l'actu hip-hop pour découvrir avant tout le monde tous les sons qui vont déchirer partout ailleurs dans les prochains mois. D'accord, donc 5 groupes concept déjà dans les bacs. Yes. Et donc ça, on aura l'occasion justement pour les auditeurs qui connaissent pas tout depuis le début d'écouter les sons en deuxième partie d'émission. Et donc parle-nous un peu là de l'actualité. Donc Folie Artistique, c'est sorti là au mois de juin. On t'avait reçu, ouais, à l'époque. On t'avait reçu. Yes. On avait bien rigolé. Hein. Ouais, toujours. Et alors depuis? Bah depuis, on fait toujours des clips, on fait toujours de la promo, on fait toujours des scènes. Voilà, le parcours classique de quand tu sors un projet pour le défendre, quoi. D'accord. C'est ça qui se passe. Ok, donc bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet si vous le voulez bien, les filles. Qu'est-ce qui se prépare là? Parce que. Est-ce que tu peux juste nous tenir en haleine, nous dire un petit peu plus si on qu'est-ce peut savoir. Qu'est-ce que Six? Bah. Voilà. Qu'est-ce que Six? C'est bien. Eh, hein. Hey, mais ce soir, on est bon. On est bon, on va faire une compile. Qu'est-ce que Six? Hein? Bah, il y a des trucs qui se passent, voilà, il y a un projet qui se prépare. Quel projet? Je peux pas encore dire le nom du projet. Avec qui? Alors avec qui il a répondu, tonton Marcel, il a dit de toute façon je viens tout seul. Je vais m'en charger tout seul. Ouais, je viens tout seul, mais... Mais il va forcément inviter des potes. Il se trouve que même si j'ai pas de featuring sur ce projet, et je dis ça mais il est pas encore fini, je serais... je sais pas comment t'expliquer. Je vais arriver d'une lourdeur. D'une force dans laquelle je suis jamais arrivé. Donc voilà, ça veut dire que ceux qui ont peur là, ceux qui ont peur de WAM, eh ben ils ont raison d'avoir peur et je leur conseille de continuer à avoir peur. D'accord, donc quand tu dis lourdeur, j'imagine qu'il y aura des putains de prod, des putains de textes, des putains de prod, lyrics. Putains de textes, putains de promos, putains de tout. Ah ouais. C'est ça qui se passe. Putain de promos, donc grosse exposition. On va avoir du encore mieux que d'habitude. De toute façon, le but c'est de on va en avoir faire, dans toutes les sauces quoi. Exactement. Bon, bah, ça fait après plaisir. On pourra plus te recevoir tranquille comme d'habitude. Si, tranquille. Après, faudra qu'on passe par combien d'assistants avant de te recevoir. Non, tranquille. Ah, vous m'appelez, vous savez où me joindre. Et donc là, tu ne donnes pas de délai encore. Tu sais, ça reste prochainement, mais c'est du début 2013. De toute façon, à mon avis, d'ici un mois voire 2 mois grand maximum, il y aura un premier clip qui va sortir. Un premier titre que je vais balancer et ça va être comment dire, tout de suite les gens ils vont constater que il y a un truc, il y a du changement. Changement par rapport à quoi? À tout, franchement, du changement par rapport à tout. Ils vont voir un nouveau Six quoi. D'accord, voilà. Bon bah en tout cas on est pressé, dans tous les sens du terme. On est pressé de voir ça. Ça je pense après les fêtes, avant les fêtes, tu peux pas nous en dire plus? Peut-être pendant, hein. Pourquoi pas faire ah un oui, petit on va cadeau fêter. On va ah fêter oui. Ça justement. Pourquoi pas faire un petit cadeau à tout le monde là? Ouais. D'accord. En plus j'ai une petite bouteille de coca dans la main, ça me fait penser. T'as vu quand ils sortent les bouteilles Père Noël là? Ouais. Pendant les fêtes. Tu vas faire pareil. Ouais, je vais faire un package Père Noël. Yes. Et justement on peut aussi souligner que maintenant t'as vraiment une double casquette que t'as toujours eu mais qui se confirme plus là en ce moment. Ouais. T'as des prods qui ont été justement, si tonton Marcel t'a chopé à la sortie d'une grande radio, c'est parce que t'étais parti faire la promo avec Mister You pour exactement. Son projet MDR2. Yes. Donc si tu peux nous en parler un peu, comment tu te retrouves et comment est-ce qu'on te contacte aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on te contacte plus aujourd'hui qu'avant, alors que des prods on a toujours fait. Ouais, c'est vrai, des prods j'en fais, ça fait 6 voire 7 ans. Ouais. On va dire 6 ans. Et on va dire, on commence à remarquer ce talent-là, si je peux me permettre. Voilà, donc j'ai fait 2 prods pour l'album de Mister You, MDR2, ouais, qui est dans les bacs d'ailleurs, big up à lui. Et voilà, les deux titres c'est Crève en enfer et Qu'est-ce que tu peux faire, featuring Niro. D'accord. Voilà. Donc, il y aura encore d'autres prods. C'est lui qui t'a contacté directement, ça ouais, s'est fait comment, c'est lui qui m'a contacté parce que voilà, les gens ils sont pas censés savoir, mais You et moi on se connaît depuis 2007, je crois. Ouais. Voilà, 2007. Je pense, un des premiers connus avant lui à avoir accepté de poser avec lui. D'accord. Et voilà, on a fait Trop Féroce. C'était en 2007, Féroce, je crois. Ouais, je connais. Début 2008, Trop Féroce. Ensuite, on a fait Encore Plus Féroce. On a fait plein de titres ensemble, tu ouais. vois. Même des trucs qui sont pas sortis. Et voilà, on est resté en contact. Et puis voilà. Et justement, pourquoi t'as pas posé même sur le projet? Bah, bonne question. Ah, c'est pas à toi qu'il faut la poser. Franchement, c'est vrai. Bonne question. Moi, on m'avait parlé d'un titre avec
en feat avec Soprano et RDK. Ouais. Genre You, Soprano, RDK, ah, ça aurait été pas Six. Mal. Ouais. Et mais voilà, je sais pas, ça s'est pas fait. Et... Bah, peut-être sur un prochain projet, on verra bien de toute façon. Mais j'ai l'impression que t'arrives facilement à faire du sur-mesure au niveau des prods, parce que par exemple le Crève en Enfer que t'as fait pour Mysterious, c'est carrément une prod qui sonne bien, où on le sent bien à l'aise dessus et tout. Donc ouais. quand tu bosses une prod, tu te prends vraiment la tête, t'écoutes un peu déjà l'univers de l'artiste avant de faire la prod, ou c'est vraiment au feeling ou... Bah en fait, Crève en Enfer, elle s'est faite. Il avait posé sur une face B. Ouais. Et il voulait que je fasse la prod. Que je fasse une prod originale. D'accord. Et je me suis adapté à ce qu'il avait posé, tu vois. J'ai écouté, réécouté, réécouté. Et boum, j'ai placé une prod dessus. J'ai mis les cuts, j'ai réalisé tout ça. Et voilà. Au D'accord. final, voilà ce que ça donne. Il y a d'autres projets sur lesquels on va te trouver là prochainement, ou d'autres qui sont déjà sortis? MDR 3. MDR 3, ouais, c'est, j'ai entendu dire que tu avais une grosse partie de la prod sur MDR 3. Ouais, MDR 3 et peut-être son album aussi, voilà. Il y aura beaucoup de taf avec You. Mais. Comment dire, il y a du taf sur mon album, sur mon projet Folie Artistique. Il y aura du taf sur le projet des petits frérots Alibé et Saïsaï. Et voilà. Hein. D'accord. On va dire, c'est pas encore le côté producteur, c'est pas encore ce que je mets le plus en avant. Ouais. Parce que voilà, je suis artiste et je suis actif. Mais sinon. On va taffer dessus en 2013. Ok. Juliette avait une question un peu croustillante pour toi. Qu'est-ce que c'est? Par rapport aux récents événements qu'il y a sur le web. Il y a deux gros rappeurs qui s'affrontent en ce moment. Je sais pas si. Qu'est-ce que c'est? Si elle avait osé te poser la question. Ah, bah la traditionnelle question qu'on pose à tout le monde. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors tu parles si t'as envie. Après, si t'as pas envie, c'est non, pas... Franchement, je dis la franchement... vérité. Non, je dis la vérité, j'en ai marre de la poser cette question. Parce c'est qu'elle moi, elle c'est saoule. Moi qui vais dire la mais vérité. On n'a pas eu ton avis à toi. C'est moi qui vais dire la vérité. Je suis pas de ces rappeurs. Tu sais, ces rappeurs que quand tu les cites dans les morceaux, ils sont concernés, etc. Il y a leur nom dans les morceaux. Mais quand tu les appelles et qu'ils sont devant le micro en radio, ils font les langues de bois. Ils font les mecs qui prennent pas, qui savent pas où se mettre. Qu'ont rien à dire. Non, moi c'est pas mais mes c'est problèmes, pour ça que etc. je vais te la poser cette question parce que franchement, je sais pas, je pense que Rizwan c'est pareil. Au bout d'un moment, on est saoulé de ça, tu vois. On qu'est-ce est saoulé, mais toi, on t'a pas entendu là-dessus. Wesh Moré ou wesh Zoulette? Bah, franchement, wesh Zoulette, hein. Wesh Zoulette? Bah ouais. Normal. Un minimum. Après, voilà, hein, c'est sûr que. Mais au niveau du son ou au niveau de l'âme? C'est sûr, en fait, c'est sûr que. Bon, là, j'ai vu des interviews de Booba récemment. Ouais, il dit que il c'est pas... Que, voilà, ouais. Il disait que Wesh Moré, c'est pas du tout un clash. Encore moins il un clash contre... Il disait que c'est pas pour off. Contre ce qui tient la route, hein, quand voilà. Tu dis bien les paroles, entre guillemets. Ouais, après, voilà. Bon, Ousni, on sait. C'est pas un secret, c'est quelqu'un de parano. Voilà. Donc, comment dire, si lui, il ressent le truc, il prend le truc pour lui, forcément, il va répondre. Que ce soit dans la rue ou sur disque ou au micro. Donc, voilà, hein. Ok. Mais c'est sûr que y a rien à voir, hein. Wesh Moré, Wesh Zoulette, y'a rien à voir. Et ouais, lyricalement, tu veux après, dire. Après, voilà, hein, leur truc, c'est leur truc, t'as vu, moi. De toute façon, t'es même pas concerné. Rof Booba, c'est un truc qui existe. Je sais même pas si moi, on me connaissait encore dans le milieu du rap. Ouais. Ce petit, on va dire, ce petit. Ouais, cette rivalité, etc. Voilà, okay. Ça les regarde eux, hein, voilà. Ouais. C'est des grands garçons, et voilà. Bon, bah, c'est bien d'avoir ce qu'on passera ce qui se passera quand ils vont se voir. De toute façon, on attend tous qu'ils se croisent. Hein. Mais c'est ça, en ce moment, ça chauffe pas mal. Ah, en tout plus, le monde ça. Attend qu'ils se croisent. Ouais, mais hein. C'est franchement, faut dire la vérité, ça vous saoule pas à force. C'est saoulant un peu, non? Vous trouvez pas, vous? Après, ouais, comme dit Six, à un moment donné, ils vont se croiser, et puis ça. Voilà, bah ouais, ça, après, ça, voilà. Ça peut-être on leur que fait là, du buzz, ils en ont pas besoin, ils en ont assez. Peut-être que là, c'est arrivé à un stade où. Quand ils vont se croiser, ils vont pas se regarder dans le blanc des yeux, tu vois ce que je veux dire? Tu crois? J'imagine. C'est pour ça qu'il y aura de réaction. Non, ils sont au-dessus de ça. Moi, je pense que ça va. Carrières. Je pense que ça va. Si. Du côté de Rome, du côté de Booba, il aurait tout à perdre à je faire pense un que truc comme ça. Ça. Franchement, je pense que ça va se passer à fond quand ils vont se croiser. Bon, en tout cas, on a eu voilà la vie de. Et tu nous raconteras. Bah, je sais pas, peut-être que je serai pas là aussi. Une exclu urbaniste. Ah, peut-être. Je sais pas, bon, on verra bien. Pour finir l'actualité, donc si on rappelle bien, il y a un truc qui sort bientôt aussi, que c'est un truc lourd qui se prépare. Très Folie lourd. Artistique, on finit tranquillement la promo, je pense. Il y aura encore un clip ou deux qui vont sortir. Ouais, sûrement un clip ou deux. Voilà, c'est toujours dans les bacs, c'est toujours en téléchargement sur iTunes à 6€. On essaie de beaucoup jouer avec le 6, tu vois. Ouais. Je sais pas si les gens y remarquent. Et voilà, après on verra pour début 2013 le prochain projet. D'accord. Bon, en tout cas, on reste connecté, mon pote. Là, on va...